Salut à tous, aujourd'hui c'est lundi, bon il pleut, j'ai décidé de vous emmener en voyage pour une place au soleil chez Salin Holidays avec Willy, suivez-moi. Bonjour. Bienvenue Géry, bienvenue chez Salin Holidays. Merci beaucoup, bon alors il paraît que c'est les vacances toute l'année ici. Pas tout à fait, mais on a de bonnes conditions de travail. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Ok, Willy, merci beaucoup pour l'accueil. Bien, je t'en prie. Alors explique-moi ce que représente Salin Holidays aujourd'hui. Alors en fait, nous sommes une société spécialisée dans la conception et la vente de voyages organisés et de circuits en particulier. On est d'origine finistérienne, donc bretonne, mais par contre nous avons des bureaux partout en France. Ok, et quels sont les chiffres clés du groupe ? Nous sommes 650 collaborateurs répartis sur 130 agences de voyage partout en France. Nous avons le plaisir d'organiser des voyages pour environ 220 000 clients chaque année, ce qui représente environ 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous plaçant ainsi comme le cinquième tour opérateur national. Waouh ! Et alors quelles sont les actualités en ce moment du groupe ? Alors, nous sommes un groupe en plein essor avec l'acquisition de nombreuses agences, d'où un réel besoin de recrutement. Ok, et toi, ton job, ça consiste en quoi ? Alors, moi, mon job, je représente précisément la boutique des groupes Salin. C'est-à-dire qu'on s'occupe et on va chercher des clients groupes, à savoir des amicales, des associations. Et c'est eux ? Des comités d'entreprise, des sociétés également, et pour leur proposer des voyages qui correspondent à leurs besoins. Donc sur mesure, à la carte. Ça peut être des circuits, ça peut être des séjours, des croisières. Il y a un grand panel de possibilités quand on veut voyager. Bon, toi, tu voyages beaucoup, j'imagine. J'essaye de voyager. En effet, je fais plusieurs voyages par an, dans le cadre du travail, dans le cadre personnel également. Des repérages ? Alors le prochain, en l'occurrence, je vais avoir la chance de partir en Afrique du Sud. Ici ? Exactement. Ok. Ouais. Et alors moi, je peux partir tout de suite, une fois que je suis embauché ? Alors, en règle générale, ça prend un petit peu de temps, le temps d'acquérir un petit peu d'expérience, mais très rapidement, on peut se retrouver à accompagner ces fameux voyages des Sud. C'est cool. C'est plutôt très intéressant. Ouais. Et tu bosses en agence ? Eh bien non, je suis amené à beaucoup plus me déplacer pour rencontrer les clients à l'extérieur. Combien de kilomètres par an ? Environ 30 000 km par an. Ok. Et alors, comment s'organise ta journée de travail ? Alors, c'est là que le job est intéressant et passionnant, car il est très varié. C'est-à-dire ? Il y a la prospection téléphonique, bien sûr. Il y a également le démarchage et les rendez-vous extérieurs chez les clients. Mais il y a aussi toute la partie de communication et en partenariat avec mes deux collègues. Ah, tu travailles pas tout seul ? Non. En fait, je travaille avec mes deux collègues qui s'occupent de la partie plus opérationnelle, c'est-à-dire les devis, monter le voyage. Donc, c'est là que ça se passe ici. Combien de voyages par an ? On organise à peu près 60 groupes qui nous font confiance chaque année. Ça représente 2500 personnes pour qui on organise des voyages chaque année. Okay. Et toi, quel parcours, quelle formation tu as pour en arriver là ? Alors, en fait, j'ai suivi un BTS, vente et production touristique, pendant 2 ans. En 2006, je suis rentré chez Salin, donc au service individuel, donc au siège, dans le Finistère. Okay. Et au bout de 2 ans, j'ai compris qu'il y avait un poste à pourvoir à la boutique des groupes de Rennes, donc au service groupe, comme technicien, justement. D'accord, donc, t'as commencé ça technicien. Ça a été okay. Mon parcours. Et au bout de quelques années, c'est-à-dire en 2015, là, j'ai eu une opportunité de saisir le poste de commercial groupe. Et tu te voyais commercial, toi ? Pas forcément. Okay. C'était pas dans mon ADN, je pense, à la base, mais j'ai vite appris et finalement, ça me plaît. Et comment s'est passée ton intégration dans l'entreprise ? Super. J'ai été très bien intégré et j'ai rapidement compris qu'il y avait des possibilités d'évolution au sein de la société. Ok. Bon, et toi, Willy, pourquoi t'aimes ce job ? Alors, pour plusieurs raisons. La première étant le relationnel client. Okay. Autour d'un projet commun, c'est un voyage. La deuxième chose, c'est l'autonomie au travail. Ça, c'est bien de pouvoir organiser son temps un peu comme on l'entend. Et la troisième chose également, et ce que j'ai le petit plus, c'est le fait de partir en voyage, de pouvoir accompagner de temps en temps. Voilà, exactement. Pourquoi t'aimes bosser chez Salin en particulier ? Alors, en fait, Salin, c'est une société qui s'est développée très fortement et rapidement, mais qui a su encore garder son esprit familial, ses valeurs. Donc, il y a une direction qui est quand même accessible, avec qui on peut discuter, et également des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise qui sont là. Et dernière chose également, c'est le tourisme responsable, puisque de plus en plus, Salin œuvre dans ce sens en créant, notamment, nous sommes labellisés ATR. Ça veut dire quoi, ATR ? Agir pour un tourisme responsable. Bon, et moi, Willy, je mets quoi dans mon bagage pour bosser avec toi ? Alors, avant tout, il faut être curieux, passionné de voyage, bien sûr, autonome, pragmatique et avoir un bon relationnel. Merci. Je t'en prie. Groupiste, c'est mon job. Les deux, si tu aimes voyager, ce job est fait pour toi. Dans l'un de nos 12 bureaux partout en France. Les deux, c'est pas une question d'âge chez nous. Un BTS tourisme est suffisant, si tu es motivé. À Salin, ici on n'est pas des cow-boys.
Willy, merci beaucoup pour ce beau voyage dans ton quotidien. Je t'en prie, Jerry. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises, d'autres voyages à faire. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe de Willy, postuler, voyager. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.